Et on est parti, ça commence très très fort, les deux s'échangent en anglaise. On a Axel qui envoie un high kick, il a gagné la ceinture Cage Warriors Academy avec ce même high kick. Et un beau overhand pour Axel, deux d'affilée, ça touche. Lumasa est certainement touché là. Ça échange, Lumasa vient évidemment tenter de lutter face à Axel qui est en train de dominer les échanges debout. Par contre c'est Lumasa qui met vraiment la pression. Low kick pour Lumasa. Axel qui reprend son souffle, il reprend le centre et effectivement stratégiquement il faut faire gaffe puisqu'il y a un combat plus tard dans la soirée. Est-ce qu'on essaye de finir tôt au risque de se fatiguer? Et Axel qui commence à faire le show. Petit direct, il passe en dessous du crochet en contre et il nous fait une petite danse, il est à l'aise dans cette cage. Et c'est ça qu'on veut proposer, le meilleur de l'amateur, on veut leur donner une expérience professionnelle pour qu'ils puissent passer le cap après. Bien, le coup pour Lumasa. C'est aussi quand on a un combat plus tard dans la soirée, on ne peut pas prendre trop de low kick dans le premier combat. On risque d'être un peu fatigué et blessé pour le second, qui aura encore plus d'importance puisqu'il s'agira de la toute première finale, du tout premier tournoi, du tout premier événement de la Sua Fighting Championship. Lumasa qui commence à rentrer après la moitié de ce premier round dans son combat. Il commence à avoir le timing d'Axel. Un jab pour Lumasa. Axel qui rigole. Ah, low kick pour Axel. Et très très beau double jab suivi de l'overhand. Et c'est un KO. Merci. Bonsoir. Bonne nuit. Axel Alfandari dans le premier round par KO. Quel gros statement. Il rejoint la finale plus tard ce soir et on va découvrir son adversaire dans le prochain combat. Mais quelle performance par Axel, il a montré une grosse aisance dans cette cage pour ouvrir le bal du LSFC 1. Un combat qui restera gravé dans nos esprits. Waouh! Il était très bien dans ce combat, c'était pas la première fois que son cross passait. Et là il a envoyé son double jab suivi du cross et ça a envoyé Lumasa complètement au tapis. Axel Alfandari évidemment qui célèbre sa victoire. Et c'est pas tout pour lui ce soir. Et il est en train de le dire au public. On le revoit plus tard dans la soirée pour le combat principal en MMA. Lumasa a l'air d'avoir récupéré ses esprits. On va avoir la décision officielle par notre ami Rust. Et on se retrouve juste après.